Les amis, c'est MM Simulator. On se retrouve pour une carrière suivie. Let's play sur la suite des épisodes que j'ai fait précédemment sur Extreme Trucker numéro 2. Aujourd'hui, nous sommes au Chili, il me semble, ou en Argentine, je sais pas exactement. Bon, donc avec un espèce de camion de pompier. Donc, nous allons commencer de suite. C'est bon. On va commencer. Le mouton. Donc voilà. Donc là nous sommes au bord d'un précipice. Voilà. Donc j'ai décidé de changer un petit peu sur Extreme Trucker. Au début je pensais faire en gros finir au niveau de l'Australie et après changer. Et puis c'est vrai qu'avant j'ai vu vous en demander un peu, donc j'arrêtais de voir. De regarder les épisodes d'Extreme Trucker. Donc j'ai préféré faire un changement en gros. Ce que je vous propose, c'est que chaque semaine on change de lieu où on va faire notre prochain on conduit bien à droite. Ah, on conduit bien à gauche. Bismillah. Parce qu'ils conduisent à gauche alors qu'ils ont le volant à la gauche. Bismillah. Donc voilà. J'espère que les jeux que je fais sur YouTube vous plaisent. Pour moi, en gros, j'adore ces jeux-là. C'est que des jeux que j'apprécie, que je mets sur YouTube. Donc voilà. Normalement, cette semaine, ça risque d'être un petit peu chaud, on va dire. Parce que cette semaine, je serai pas souvent chez moi. Mais je pense que je vais arriver à mettre je pense que je vais avoir la possibilité de mettre Euro Truck, bon c'est fait déjà, donc Extreme Trucker, l'épisode du cheveu long, sans compter oh là j'ai dû que j'ai fait pour entrer sans compter donc voilà, il y a plein de chances que de farming, je vais essayer de le faire, mais ce sera pas sûr que je le mette. J'espère pouvoir le mettre, mais après c'est pas sûr. Parce qu'il y a de grandes chances que je sois pas chez moi. Donc voilà. Si après vous finez, bon bah ce sera le premier combo où j'aurai des dégâts. Je sais pas, en fait il est apparu comme ça le camion, faut vraiment faire très attention ici. Donc voilà, j'espère que j'ai quand même gagné quelques points. Donc voilà. Dans ce quartier là, faut faire vraiment très attention à ce qu'on fait.
Voilà. Parce que c'est un coin où, voilà. Si on fait pas attention, on peut pas avoir. On peut pas avoir vraiment beaucoup de choses très intéressantes à faire. Donc, je sais que moi j'aime pas rouler lentement, mais bon, je vais devoir le faire un peu quand même. Je vais réduire un peu ma vitesse. En tout cas, pas forcément aller moins vite, mais au moins réduire ma vitesse. Parce que j'ai pas vraiment envie de finir dans le ravin. Donc. Voilà. Après, j'espère que Extreme Trucker vous plaît. Là, en fait, c'est vrai que. Après, je sais pas si je vais continuer encore longtemps. Extreme Trucker, mais pour l'instant je le laisse parce que voilà, ça c'est du gars. Donc voilà, parce que pour l'instant ça me plaît et puis voilà, on va dire qu'il y a de quoi faire, mais je pense qu'au bout d'un moment voilà, ça va. On va devoir arrêter parce que il n'y aura plus rien à faire quoi, il y aura plus, ce sera toujours les mêmes camions, toujours toujours pareil. Donc voilà, et je vois pas grand intérêt à continuer ce jeu si de rouler un peu comme on peut. Moi j'aime bien ce jeu là, mais bon, c'est pas, voilà. Après là pour l'instant j'aime bien ce jeu là, mais de toute façon ça va pas durer je pense, parce que au bout d'un moment il y a plus rien à faire. Je vais devoir m'arrêter. Je sais pas où c'est que je dois aller. Je pense que je dois aller tout droit. Donc voilà. Après, si vous voulez ou que j'arrête tout de suite, dites-le moi dans les commentaires. J'arrêterai directement ce jeu-là, parce que c'est vrai que on va dire qu'il est bien, mais il est un petit peu répétitif. Oh là, la pente là, là c'est bien. Mais c'est vrai qu'ici en Colombie, non, c'est pas la Colombie. Ben c'est sûr, peut-être la Colombie, je sais pas exactement. Je sais que c'est dans l'Amérique du Sud, au nord de l'Amérique du Sud, vers la Colombie, le Chili, tout le bazar là-bas. Je sais que c'est tout ce coin-là, mais après me demander où c'est exactement. C'était peut-être marqué, mais bon, moi je suis pas très calé en géographie, mais je crois que c'est la Colombie. Mais bon, après c'est vraiment
dites-moi dans les commentaires si ce jeu, bon, je trouve que par rapport aux autres, quand on voit Euro Truck 2, Euro Truck 2 surtout, Extreme Trucker, il est bien, mais on va dire que une fois que t'as... En gros, je pense qu'il doit y avoir une suite, même si t'as dû débloquer, mais concrètement, c'est... C'est... Si... C'est si... voilà. Donc en gros, si vous... Et si vous me dites dans les commentaires, voilà, ce jeu, il est un peu lourd, il est pas super. Bien, on préfère voir autre chose, voilà, je mettrai autre chose. Mais bon, voilà, après, c'est mon avis. Moi, je sais qu'il est bien, mais je vais pas pouvoir continuer, on va dire, éternellement à faire ce jeu. Que je préfère jouer à Euro Truck 2 plutôt qu'à celui-là. Donc voilà, après sinon... De toute façon là je vais commencer à faire l'évolution. Commencer on va dire... je vais déjà... faire un peu plus de trucs vintage, on va dire. Sur Euro Truck. Avec... avec les épisodes vintage, avec les tests, certains tests qui vont être sur des jeux pas très récents peut-être, ou déjà que j'ai déjà dû en faire, des jeux pas très récents. D'ailleurs, on est bientôt arrivé. Ah non, mais je suis déjà... Là, je suis en fuite du close. Voilà, après ce jeu-là, moi je l'aime bien. Je le trouve très génial que... Euro Truck Simulator 2, mais moi je l'aime bien parce que voilà, il y a un petit côté extrême, pas trop non plus, mais quand même des fois c'est balèze, même si bon, souvent voilà. Donc voilà, moi ce jeu je l'aime bien. Ah, ça fait mal. Bon, ce jeu je l'aime bien, il est super, c'est un bon jeu. Mais je pense que je vais pas le continuer très longtemps. En gros, je vais vite l'arrêter. Vite, pas super vite, mais vite l'arrêter parce que, comment dire, voilà, j'ai presque fini toutes les parties. Donc là je vais faire encore un peu à chaque fois changer de ville, changer de région. J'ai fait à peu près, je crois, si je me rappelle bien, toutes les régions. J'ai dû faire... Ah non, j'ai pas fait le Canada, je crois. Avec en gros c'est un peu comme c'est un peu un mélange de... Non, même pas. En gros, les endroits où il y a... ou Montana, je sais plus. En gros, on est vraiment dans le style bûcheron. Vous verrez ça certainement au prochain épisode. Donc là, on va se laisser là-dessus. C'était MM Simulator. Je vous dis à la prochaine. Parce que je vous aime bien. Et bien, je vous aime bien, même si je vous connais pas, quoi. Donc voilà, je voulais vous dire à plus tard, ciao.
À plus.